Alors, quoi de neuf, à part le neuf de cette neuvième édition? Et bien, c'est ce que vous allez découvrir au cours de cette soirée. Une fois qu'elle aura été déclarée ouverte, cette neuvième édition, par nul autre que le président du conseil départemental de la Charente et surtout le président de Magélis, j'appelle François Bonneau. Bonsoir à tous. Amin Maalouf, l'écrivain franco-libanais, disait dans l'un de ses livres « On perd le souvenir des mots, mais on ne perd pas le souvenir des émotions ». Aussi, je voudrais dire merci au cinéma, merci aux acteurs, merci aux actrices, aux réalisateurs, metteurs en scène, producteurs, techniciens. Merci pour ces émotions si essentielles à nos existences. Merci au formidable public de la Charente et d'ailleurs, qui contribue à cette alchimie si particulière du FFA. Un immense merci à Marie-France, Dominique et toute son équipe pour organiser ce festival qui associe à la fois l'amour du cinéma et l'amour de notre belle langue, enrichie de la culture de tous les pays où elle se parle, et plus particulièrement le pays du Cèdre cette année. Le pôle image Magélis, qui fêtera dans quelques mois ses 20 ans et qui regroupe à la fois 1000 étudiants et 1000 professionnels autour de l'image, est très heureux et fier d'être le partenaire historique du festival. Je voudrais souligner l'arrivée d'un nouveau partenaire, à savoir l'Assemblée des départements de France, cette année qui nous rejoint, et je remercie chaleureusement la présence de Dominique Bussereau ce soir. Jean Cocteau disait que le cinéma, c'est une écriture universelle dont l'encre est la lumière. Et nous avons hâte de lire l'édition de 2016. Aussi, je déclare ouverte la 9e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Merci. Merci, Monsieur Bonneau. La classe, hein, tout ça s'en fiche, alors que moi, c'est impossible.